salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Borderlands Pre-Sequel, toujours en compagnie de Daisy. Salut. Donc on a fait quelques petits trucs hors vidéo, on a fait les 4 premières missions de l'entraînement en combat de Dahl. Pour accéder à cette zone, il fallait, à la fin de l'autre vidéo, on s'est arrêté devant une zone de dunk. Il fallait aller un peu plus loin pour accéder à cette zone, c'est comme les arènes dans Borderlands 2. Ensuite, on a rendu la quête Zap de 2.0 à la personne de, enfin à Springs, à Concordia, et on a donné quelques armes dans la plaine de Triton. Et c'est tout. On va tout de suite continuer. C'est pour ça qu'on a pris un peu de niveau, c'est parce qu'on a tué des ennemis, et puis c'est tout. Allez, K.O., tu me suis? Ouais, j'arrive. Bon sang! C'est vraiment génial ce qu'ils ont là-bas! Ça fripouille, ça crève rien. Je peux t'aider, si t'y mets le prix. Ah, le radin! Content de te rencontrer. Bonjour. Springs m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Enfin, c'est ton jour de chance. Tu devrais pouvoir en chourer une sur le Drakensberg. Il paraît que le maître d'équipage et la capitaine qui tiennent l'endroit collectionnent les intelligences spécialisées dans l'art de l'artifice. Le problème, c'est que tu peux pas vraiment débarquer là-bas et leur demander de te filer une IA. On peut toujours essayer. On a de l'orgueil, hein? Très bien. C'est un duo dangereux, mais peut-être qu'ils te laisseront monter à bord sans rien dire. J'indique le chemin le plus direct sur ton système écho. À vrai dire, j'ai cette épave à l'œil depuis un moment. Et tu me permettrais de faire un peu de shopping en allant l'inspecter un peu. Ok. Ah, Willem. Oula. Alors, regardons un peu. Ça c'est juste une zone de O2, je vais regarder s'il n'y a pas un coffre ou quoi que ce soit. Je crois qu'il va falloir revenir ici plus tard. Parce que je crois que ça va être un musée ici. Il y aura une quête de musée je crois. Bah vu la forme. Ah, une quête de quoi? Bah musée, je sais pas, vu qu'ils sont... Ah ouais. Pour être ça, je sais pas. À mon avis là-bas derrière c'est un spécimen et on devra l'affronter, tout comme ça. J'en sais rien, c'est des suppositions. Sur ce jeu, on va vraiment savoir ce qu'il nous prépare. Hein. Le Drakensberg est une épave du tonnerre. C'est une ancienne frégate de Dahl, on t'a dit? Ça doit être rempli de technologies que je pourrais récupérer. Le maître d'équipage et la capitaine m'ont tenu à l'écart jusqu'à maintenant. Mais ça va changer grâce à toi. Ah, le bâtard. Ouf. Merde, je vais die. Ah, merde, désolé. Voilà. Allons là-bas. Derrière, il y a quelqu'un. Ah, des scrags. Ah, pas des scrags, qu'est-ce que je raconte? Bien sûr, ils résistent au froid. Voilà. Ah ouais, j'ai une arme qui gèle les ennemis, très bien. Les 0 dégâts. Mieux c'est le feu contre vous. Ou alors le nôtre. Bon, on va avancer, sinon ils vont respawn pas l'infini, je crois. Ouais. Allons-y. Thank you.
Attention, hors la loi cuirassée. Je vais essayer de le geler. Voilà, ça. Attention. Oula. Oula, il a l'air très fort lui. Voilà. Et il y en a un autre. Aïe. C'est toi mon inspiration quand je danse. Merci. Mission ici. Le Drakensberg, c'est un ancien navire de guerre de Dahl qui se serait échoué juste avant la grande fissure, à ce qu'on raconte. Aujourd'hui, ça grouille de pillards qui puent, avec à leur tête le maître d'équipage et son ami, qui l'appelle la capitaine. Personne n'a jamais vu sa tête à elle. C'est assez bizarre. Enfin bref, trouve un moyen d'entrer, et joue pas les timides. Dis bonjour aux autochtones que tu croiseras. Matériel garanti. Ah, ça c'est bon. Si tu achètes ailleurs, je te fais assassiner. Toujours plaisir. Hop. La violence est un plat qui se mange froid. J'ai pas regardé la conséquence, pas grave. Dire que ça fait 10 minutes. Enfin si, j'ai regardé la conséquence, je suis con. J'avais déjà oublié. La bande défense, c'est bon. Là ça commence à être un peu plus dur, on commence à avoir des brutaux, des cuirassés, etc. Oh, corps à corps. Bien. En fait ça fait pas beaucoup de dégâts. Moi j'en fais beaucoup de dégâts. Oublie pas, si tu trouves des armes blanches, t'en prends, il nous en reste que 13. Ouais, j'en ai déjà une. J'avance. Défense et protection. Quelqu'un a besoin de santé. Oh la loi brutale. J'arrive. Voilà. Tiens, ici on dirait. Oh. Oh non, ça c'est juste une commande, je crois que c'était un. Ah bah voilà. Un coffre. Pas de blanc comme par hasard. Je vais voir ce qu'il y a là-bas, je reviens. Continue le vrai chemin, je vais essayer de voir. Ok, y'a rien. Là, je mets mon point moi en attendant. Je sais pas. Hola, marin d'eau douce. Ta tête ne me dit rien qui vaille. Et si tu partais tout de suite pour t'épargner le courroux du maître d'équipage, hein? Ah, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais tort, ce qui est tout à fait normal. Est-ce qu'on a un autre plan pour accéder au Drakensberg? Oui, bien sûr.
Il y a une commande manuelle pour le pont près d'ici. J'envoie ses coordonnées sur ton système écho. C'est ce sale petit ravoleur de Pickle que j'entends. Si t'es avec lui, je serais presque d'avis de te laisser monter pour t'arracher les jambes et t'envoyer courir un peu. Écoute, toi et le gamin, n'approchez pas. Je le dirai pas deux fois. Même celle-là, on était tout à l'heure. Ouais. Je sais pas à quoi, il y a des dessins, mais je sais pas ici correspondre à quelque chose. Alors mate un peu ça. Ouais, c'est un mur. J'ai fait sauter le seul pont. Comment tu vas faire pour traverser la lave maintenant? C'était notre seul pont à nous aussi. Je veux que tu balances le méthane des réservoirs dans la lave. On va se créer notre propre chemin en la refroidissant. Ça va être trop cool! Je te préviens, gamin. Si ton chasseur de l'arche et toi, vous tentez quoi que ce soit, je me ferai un pendentif avec vos yeux. C'est quoi ces poules prépubères, là? Ouais, je suis un rejet, moi, comme ça. C'est ça, ton plan de génie! C'est rien qu'un petit accro, c'est tout. J'ai encore une autre idée brillante. Je crois que nos définitions de brillantes sont diamétralement opposées. La station de pompage de méthane a été fermée après la grande fissure, ce qui explique l'absence de méthane dans les réservoirs. Suffit qu'on réactive la station de pompage et le problème sera réglé. Et par « on », j'entends bien sûr « tu ». Bon bah let's go. Moi je passe par la fenêtre. Attends, mais c'est par loin, non? Je pense pas, non. Ah oui, c'est de l'autre côté. Moi, je glitch un peu, hein, comme d'hab. Prudence, réserve d'oxygène à 50%. Je vais aller faire ça vite fait. Attention, ça tire. C'est tout près. On dirait qu'elle a visé la station de pompage. Vas-y, approche-toi de la station de pompage. J'ai une belle surprise pour toi. Je vais activer mes tourelles. Bon, d'accord, c'est plus une surprise. Mais avoue que ça fait réfléchir. Prudence, aucune atmosphère détectée. Je me dirige direct là. Je peux pas monter niveau 15 moi. T'as besoin d'aide ou pas là? Non non ça va. Il oh, y a un avalanche que j'ai vite fait. J'aime bien comment ils partent en miettes quand ils sont gelés. Le physics. Ouais. Voilà. J'ai entendu le ding. Bon, elle a activé ses poils. J'ai pas mal d'atouts dans ma manche. Enfin, mes manches, j'imagine. J'en ai plusieurs. Bouclier. Ma tourelle. J'aurais besoin d'aide. Non, non, je suis en train de défoncer les tourelles. Voilà. Je venais juste de finir de le rembourser. J'active ça. Voilà.
Ça pique. Essayez encore une fois. Par là. On a combien de jeux déjà? Combien d'heures de jeu? On a 7 heures de jeu pour toi. Ok, on passe sur le côté. Ah, attends, il me faut que je mette. Vas-y, vas-y, moi j'avance un petit peu. Toi, mal, Nina aide. Un grand jour pour le capitalisme. Vas-y, danse, débile. Ah, il y a un truc intéressant, mais il coûte trop cher. C'est chiant. Il coûte 5000. Que ça te protège dans tes voyages. Article du jour. J'ai 300. J'ai aucune arme blanche, moi. Faut que tu fasses écouler le méthane. Et il doit y avoir une console d'activation quelque part dans le coin. Oh, un lunatique brutal. J'arrive. C'est bon, il est mort. Oh là là, brutal. What? Quoi fait ça? C'est quoi ça? Oh non, fiesta temps. J'ai lancé des milliers de grenades. T'en es fort les gars, je veux voir le sang gicler. Aïe. Il y a plein de bruit, pas besoin d'aide. Ah merde, j'ai plus de munitions. Attends, j'arrive. Utilise A. Plus rapide. Tu fais quoi? Je change de. On est comme cette bande de potes dans la avec série A. Là. Alors j'en étais où? Voilà. Changer d'arme. Ah, une arme blanche, voilà. Tu en restes plus que 11 si t'en as une. Oula, on se calme. C'est pas un film de Magic Bay ici. Voilà. Je crois que j'ai fait de la merde. Non, c'est bon, j'ai réussi à passer. Je viens de skipper, mais tellement. Ah, un coffre. Ah, des coffres. Je crois que j'ai fait un skip. Encore une arme blanche. Ah non, j'ai un passage secret. Ok. Je sais ce que tu mijotes, gamin. Ça marchera moins bien quand j'aurai transformé ton chasseur de l'arche en gruyère. Petite gauche froide. T'as besoin d'aide? Non, moi j'ai besoin d'aide. Je sais pas où t'es parti. J'ai fait un alt-tab et en fait je suis tombé. Pardon, j'ai fait un alt-tab. Ça va bon. Oui ou merde. Je t'attends avant d'activer la station de pompage. Il y a deux pierres brutaux, j'ai besoin d'aide. Ouais, j'arrive. Voilà, déjà que je trouve le moyen de monter. Il faut que tu sautes de petite place. Ah oui, il y a un truc là. Ah mais non, putain, je vais mourir. Allez. Voilà. Bon, ça va être un peu chaud là. Ça, c'est du butin. C'est génial, j'adore trop. Allez, continue. Ouais. Le flux ne passe pas.
Va à l'usine de traitement du méthane et transfère-le. Essaie de voir ce qui se passe. Oh là là. Moi je vais de toi en toi. Je vais sur les tuyaux. Les tuyaux. Sur tous les tuyaux. Bloqué. Merde. Tu es bloqué? Non, c'est bon, j'ai réussi à me débloquer. Ah putain. Mange-toi, mes meilleurs hommes, chasseurs de l'arche! Sa tête, ça me fait peur. Je suppose que ça sonnait mieux dans ta tête. Danger minable, oxygène épuisé. Ah, ici c'est pour l'oxygène, je pense tout de suite. Voilà. J'ai tellement froid. Je suis un robot esquimau. Robot esquimau. C'est quoi cette blague de merde? Cherche la valve. Et à la demande générale, on y retourne. Ah, après le dernier tas de losers, vous avez intérêt à envoyer des plus costauds. Bien vu. Mon petit poussin, envoie-t-on nos hommes les plus cruels pour réduire le chasseur de l'arche en bouillie. C'est bien ce que je comptais faire, mon cœur. Arrête de donner des coups. Et j'étais dans l'ambiance. Y'a pas? J'arrive. Merde, j'ai plus de munitions. Ah, voilà, j'y suis. Ne coupez pas à vous tourner les pouces, tous sur le chasseur de l'arche. J'y suis. Ouais, j'arrive. Ah putain, non, il m'a jarté. Ah mais non, mais il va arrêter de me jarter, bordel. Ça m'énervait. C'est tout en haut, tout en bas. Ouais, ouais, j'arrive tout en haut. Ah mais moi je suis... Il m'a fait jarter en bas en fait, c'est ça le truc. C'est chiant. Pour activer le flux principal, on va pouvoir se fabriquer un pont à nous. Mes meilleurs hommes t'y attendront, chasseur de l'arche.
jus de leur talent. T'es louche, monsieur. Je croyais que c'était les derniers qu'on a tués, tes meilleurs hommes. Non, on en a d'autres. Ah, ok. Il me faut de l'air. Allez, il faut aller au bout. Désolé si on parle pas trop, mais il n'y a pas grand chose à dire en fait. C'est ça le truc. Je suis à deux armes blanches, donc si t'en as une, il reste 10. Hein. Ah, mais arrête avec ces grenades, bordel! Quelle odeur ignoble! Je crois que je vais die. Attends, peut-être pas. Oh merde! Non, c'est bon. Et voilà. Dans la loi. C'est bizarre. Pour l'emporter, t'es désolé. T'inquiète. Voilà. C'est bon, tu peux traverser le lac. En route pour le Drakensberg. On va enfin mettre la main sur cette IA. Tu sais bien que t'as aucune chance, chasseur de l'arche. J'ai toute une armée, et toi, t'as juste un gamin mal élevé. Un dragon brutal. Le Drakensberg est à moi, pas à toi. Tu peux bien déverser autant de saloperies. Moi, je t'ai bloqué avec des types là. Ça te rapprochera pas plus de mon domaine. Grenade pour tout le monde. Je suis en train de me tuer. J'arrive, j'arrive. Ah merde, putain. Il y a un cuirassé là-haut. Enfin, j'arrive. Avec le A. Merci. Ok, je suis mort et j'ai revécu. Et je t'ai soigné, je sais pas par quel moyen. Tout le monde là, c'est... Voilà, on y va là, on a pas. Ça sert à rien de rester là. La santé. Voilà. Un peu de sang-froid. Et elle dit ça quand je les glace les ennemis. Ah d'accord. La blague. Chute de Pity. C'était le vaisseau personnel de Zarpedon. Tu sais, avant qu'elle soit promue. On raconte qu'il se serait écrasé juste avant la grande fissure. Imagine un peu. Ah ouais, ça a dû être un sacré spectacle. Tout acheter ici. Ça en est où cette histoire avec Helios? Une
Mes meilleurs employés cherchent un moyen de reprendre la station, monsieur. C'est le directeur d'Hyperion ? C'est vraiment un aussi gros connard que ce qu'on raconte ? C'est qui, ça ? C'est le gamin de 10 ans qu'on a embauché pour nous aider. Tu es viré, John. Qui s'est viré comme ça ? Au calme. Par ici. Voilà. Oh là, l'eau cuirassée. Dégage, juste insane de... La tique suicidaire. Allez, on avance. Je crois qu'on est un peu trop haut niveau pour cette zone. Je regarde, c'est quel niveau la quête? C'est 12, oui, on est un peu trop haut niveau, ça va. Oh, ils ont une tête de Mexicain. Oh, j'ai rêvé. Je vais partir à couvert parce que je me fais focus. Ah, vas-y. Défense et protection. Voilà. Oh, j'ai encore eu une arme blanche, je suis pas sûr. Tourelle inutile. Centre de commandement. Derrière moi. Merde. Diabolique. C'est moi qui commande ce vaisseau et tu devras bientôt affronter mon courroux, misérable vermine. Enfin non, comme j'ai bloqué le chemin qui mène à mon courroux, tu vas plutôt affronter celui de mes hommes. Avec ma copine, on va admirer tout ça depuis la chambre de la capitaine. Pas vrai, mon petit lapin en sucre? Ouais ouais. On en a déjà parlé, mon poussin. T'es censé m'appeler bébé, ou mon cœur, surtout devant les autres. Tout ce que tu voudras, mon bébé cœur. Moussaillon, à l'attaque! Et bah. Oh, on l'a au bout de ta vie. Position de défense. C'est terriblement sexy. Pour l'enchaînement de critiques, c'est mal. Désolé pour tout ça. Écoute, je suis pas vraiment du côté du maître des qui pue, là. Pour te le prouver, je vais t'ouvrir la porte. Si tu veux te débarrasser de ce champ de force, tu dois aller dans la salle des machines. Très bien, dame. Mais je te fais pas confiance. Tu sais, je suis plus ou moins prisonnière du maître d'équipage, en fait. Il me force à faire des trucs. Pour son plaisir personnel. Mais t'es là et t'as une tête à sauver les gens. C'est un chasseur de l'arche! Donc tu peux dire une tête à beauté des fesses.
C'est quand même un peu pareil, je trouve. Désolé, je suis venu ici pour trouver une IA militaire. Parfait. Je sais exactement où trouver une excellente IA militaire. Viens me voir. Je vais d'abord t'expliquer comment couper la barrière du maître d'équipage. Je crois qu'elle a pas tort. IA ? Super. J'essaierai de t'aider en route quand je pourrai. Mais le maître d'équipage ne doit pas savoir que je travaille pour toi. Désolé d'avance pour l'équiproquo. Je te recontacte quand tu seras à la salle des machines. Ok. Ça sent pas bon, mais bon. Mais bon. Lutte. Voilà, par là. On finit cette quête, enfin cette mission, et après on arrêtera la vidéo. Protéger la salle des machines pour le maître d'équipage. Et ces vieux missiles de dalle sont redoutables. La toile. C'était quoi ça? T'as pas vu une toile en haut? Je t'avais bien dit qu'ils étaient redoutables. Retournez au combat, soldat. Tu assures grave. Et... animer 10 ennemis en mode coop, ça c'est un défi. Je m'amuse bien. Toujours un peu chelou, hein, les... Ouais, non, mais c'est tout le temps comme ça. Il y en a tout le temps, hein, par par Borderlands. C'est comme ça, et puis c'est tout. Putain, je suis un rat de sous, là. Pour économiser mes balles et tout ça. Je l'ai. Non, c'est pas moi. À part c'est mon truc de d'eau de gel, mais je crois qu'il électrifie plutôt. Ou alors c'est moi qui tire à côté, je l'ai, je sais pas. C'est énorme comme ça. Hop là. Non, c'est bon. Balou Bouta. Voilà.
combat par ici. J'ai beau regarder ces pirates, je dois dire que le doute m'habite. M'habite. À ce qu'on raconte, avant d'adopter la culture locale, le maître d'équipage était un génie de l'intelligence artificielle. Je sais, difficile à croire quand on le voit aujourd'hui. Mais ça t'intéresse vraiment? Tu viens pas d'être viré? Et quand je débarquerai sur Helios avec mon armée de robots, je vais me faire rembaucher tellement vite que ça va en friser la moustache de connard de cette mocheté de Taciteur. Trouvez-moi cette IA. Ok. Et les robots qui parlent, c'est pas les robots, les robots d'Hyperion finalement, en fait. De quoi? C'est pas les robots d'Hyperion qui parlent en fait, ceux qu'on doit, qu'on a dû affronter. Ouais, ouais, dans le 2, je pense. Dans le 2. Bienvenue dans mon humble échoppe. On peut désactiver le champ de force qui barre le chemin jusqu'à, ben, moi, en larguant les moteurs principaux. Sans eux, la plupart des systèmes clés du Drakensberg ne tourneront plus. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, et je mettrai à jour ton système écho en cas de besoin. Mais le maître d'équipage va t'envoyer beaucoup d'hommes. Malheureusement, mon nouveau programme n'inclut pas de réponse suffisamment macho à une telle déclaration. Commence par te rendre au panneau de contrôle des moteurs, et pousse-les au maximum. Faire une vidéo donc c'est pas grave, là on a 40 minutes déjà, mais c'est bon. C'est une vidéo d'une heure 20. Que ça se fasse rapidement, et s'il y a une pause entre deux, peut-être qu'on fera s'il y a une pause entre la petit point de pause, on arrêtera là, on reprendra après. La santé est par ici. Voilà. Ah, je crois que j'ai trouvé une arme blanche. Et il nous en manquait 13, hein. Je crois que j'en ai 4 là. J'en ai. Rien du tout, j'en ai 3 en fait. Super. Petit, tu crois que tu pourrais atteindre le régulateur de flux, si tu sais ce que c'est? Bien sûr que oui! Juste une seconde. Je trouve stylé ce personnage Pickles. J'ai pensé à Tiny Tina, mais en masculin. Et fan de la. La mécanique. J'y suis, une dame. Il y a un bouton jaune à côté du tuyau rouge. Appuie dessus. Et voilà. Tu sais quoi faire, chasseur de l'arche. Ah, j'ai vu un mode. Ah non, même pas. Faut détruire le régulateur de flux. Ah, c'est au-dessus. Je vois pas ce que c'est en fait. Ah, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais à mon vaisseau, chasseur de l'arche? Et pourquoi tu m'en as pas débarrassé, mon poussin? Bien joué, c'est bon. Il ne te reste plus qu'à mettre le stabilisateur à nu. Oula, oula. Je comprends pas ce qui s'est passé, mon cœur. Ne fais pas tout foirer pour une fois. Dans la glace. Allez, on va ouvrir le stabilisateur. Oh là là. Tes chaussures. Franchement, réfléchis un peu avant de menacer les gens. Parfait. Lance la séquence de largage des moteurs. Allez. J'active ça.
C'est ça les moteurs? Putain. Un peu grand. Moteur principal largué. Activation de l'alimentation d'urgence pourrie. Non, mes jolis moteurs. Allons, allons. Techniquement, cette dernière partie n'était pas nécessaire. Mais je savais que ça lui briserait le cœur, alors je me suis dit... Pourquoi pas? Beau travail. Je te laisse faire, chasseur de l'arche. Moi, j'ai du butin tout neuf à trier. Retourne dans la salle des systèmes centraux. On s'occupera du champ de force du maître d'équipage quand tu seras là. Le plus rapide pour toi, c'est de passer par le puits des moteurs. Voilà, pas comme ça. Trouve les commandes de la barrière. Voilà. Ah, tu parles pas beaucoup, hein, Jay-Z. Là pour le moment, t'es non. Calme. T'es bien calme. Ingénierie. Oh, désolé si c'est un peu long la vidéo, mais bon. Il y en a qui vont bien aimer de toute façon. On va pas couper la. Action en plein milieu. C'est dans le seul jeu, on va. Dans le seul pantalon, on va demander d'avoir des armes blanches, quoi. Ah, j'avoue. Très bien, Vermine, qu'on en finisse. J'envoie mon meilleur homme vous achever. On l'appelle Défonçator parce qu'il défonce tous les culs. Pigez. Pigez. Oh, vous pigerez vite. Makai, ouvre la porte. Voilà. Oups, désolé. Tu voulais que je la laisse ouverte, en fait. Mais c'est quoi ton problème, mon bichon? Défonçator avait toujours un mot gentil à ton égard. Je sais bien, oui. C'est quoi ce bordel? En tout cas, on lui avait mis cher avant qu'il die, mais... Ouais, après, il est mort tout seul. Une belle flaque de sang hein, par terre. Ouais. Prudence. Et ce coup en deux. Ah merde, il faut de l'air. Je vais activer l'O2. Ah putain, des grenades de merde là. Ah mais c'est mes grenades qui tuent. Non mais c'est ton truc de merde là sur les grenades. Elle me tue. Mais elle te tue ou... Non bah elle me tue pas mais... Ah mais c'est mes grenades à moi qui me tuent en fait. Parce que ça lance automatiquement une grenade. Ah d'accord, je croyais que ça... Ok, je comprends. Ça, voilà. Genre moi j'en vois bien une vingtaine de grenades. Même plus. What? C'était quoi ce bruit de paix? Yep. Il y a un bruit de paix, je sais pas d'où vient. De la pâte à paix ou pâte, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Pâte à poudre. C'est vraiment ça en voilà. Plus. Tu peux rejoindre la salle de contrôle maintenant. Débat. Tu sais quoi, chasseur de l'arche? Je veux que tu arrives jusqu'à moi. Je veux te botter le train avec une vraie botte. Pas une botte en acide, parce que ce serait trop compliqué. Mais mes coups de pied seront la dernière chose que tu sentiras. T'as eu mon message ? Citoyen Delpis, vous devez comprendre. Cette mesure est nécessaire. Mais elle est contrôlée. Par l'Iridien, ouais, on dirait de l'Iridien. Elle est contrôlée par l'Iridien, et puis c'est tout.
Hérédien veut détruire ça pour créer de l'héritium, enfin je crois. Hein. À mon avis c'est ça. C'est ça l'intrigue de la... C'est ça le boss de fin quoi, ça va être Hérédien et puis c'est. Ça se peut que la fin du jeu se passe aussi après, après le flashback hein. Parce que là on est dans un flashback là. Ouais. C'est en haut qu'il faut aller je crois. Ok. Ah, ça fait vraiment d'épée hein. Ouais. Alors là j'ai 4 armes blanches. Reviens quand tu veux. Toi mal, Nina. Merde, j'ai activé le truc. Oh, moi j'achète de la vie. C'est bon. Allez go. Boss de fin. Enfin boss de pop. Qu'est-ce que je raconte ouais. Boss de fin. Et voilà la fin du jeu. Et voilà, c'était rapide hein. Franchement je suis déçu de la durée de vie. 7 heures de durée de vie c'est pas beaucoup hein. C'est moins qu'un Call of Duty. Ah je crois que c'est 6 heures. Ouais enfin 100% c'est 8 heures mais... Bon, à mon avis il faut détruire ce petit truc là. Les régénérateurs. Le bouclier. T'as pas tué le dernier. Ah il faut aller chercher ceux qui sont derrière. Ouais tout au fond. On l'a défoncé. Ah je crois que j'ai débloqué une tête. J'ai débloqué une tête. Ok bien tombé. Pour le tueur à gage, c'est à dire Willem. Ah oui. Avec le... Enfin le drop du boss. Et Willem, tu sais c'est qui le Willem qui est là le... Enfin, le sort d'artilleur, la sorte de commando du jeu là. Tu sais, c'est qui? C'est le robot Willem en ouais, fait. Ouais, oui, dans le. 3. Ouais. Ah, du 2. Du je 2. Raconte du 3. Oui, ouais. Oui, actuellement on est au Borderlands 5. On est sur Mars. Est une IA. Ah bah, ça alors, ça m'embouche un coin. T'as tout pigé, gamin. Bravo. Le maître d'équipage, alias Kiss, fabriquait des IA pour Dal. C'est lui qui m'a créé, parce qu'il avait du mal avec les femmes. Tu m'avais promis un noyau d'IA militaire. Où est-ce que je peux le trouver? Devant toi. C'est moi. Je commandais ce navire quand il valait encore des clous, avant que le maître d'équipage me reprogramme pour faire de moi sa... compagne. Si tu veux me brancher ailleurs que dans ce vaisseau pourri, je suis à toi. J'ai trop de mauvais souvenirs ici. Hein? La meuf Calon est une ancienne IA militaire reprogrammée pour jouer la gonzesse d'un gros geek? Vendu. Choque-moi la gonzesse et mets-toi en route. On a un tas de robots à construire. Je suis prête. Débranche-moi. Attends, attends, débranche-moi encore. Attends, ok. Il y a des choses à ouvrir. Route. Waouh, que de qualité. Inabordable, d'accord. 40. Oh, j'en ai 38, ça non. Tu peux pas m'en passer? Ah, j'en ai 36. Ouais, on peut, si on peut s'en passer. Ouais. J'essaie de voir si je peux m'en passer. Charge annulée. Ah, je suis deg. Pour deux, quoi. Non, y'a pas... Attends. Oh merde.
Attends, on devrait bien en trouver quelques-uns. Non, y a plus rien derrière. Vous avez tout tué. Ah, je suis dégoûté. Oh, je m'en fous. Jack, c'est Lilith. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une vieille usine robotale quasiment abandonnée. On envoie ses coordonnées aux chasseurs de l'Arche. La mauvaise, c'est que les pillards qui y vivent encore nous aiment pas trop. Mais c'est génial! Enfin, à part pour cette histoire de pillard, quoi. Bon travail. Merci. On te recontacte quand on se sera débarrassé d'eux. Ça risque d'être assez coton, en fait. Allô? Ça marche, Chris? Chasseur de l'Arche, faut que tu relances la chaîne de fabrication de cette usine. Je sais de quelle usine il parle. Je attends, peux attends, 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 pas encore. Mais d'abord, tu vas devoir prendre un train. Tu les as? T'en as 40? Je te dis ça. J'en ai 43. Et toi, t'en as? Bon. Ouais, j'en ai 41. Tu veux que c'est qui l'ouvre? Toi ou moi? Comme tu veux. Toi. Ça, c'est fait. Le prochain, c'est moi qui l'ouvre. On va ouvrir ça puis on va s'arrêter là. Bon alors. La merde. La merde. C'est nul. Oh là 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 là. Clairement nul. Bon, je mets mon point. Je suis Brutas niveau 458 là. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, mettre mon point. Ben, nous allons nous arrêter là, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime, et surtout vous abonner à la chaîne, c'était TheZotel pour GT Manage, et toujours en compagnie de Jay-Z. Bye bye. Passez une bonne journée et une bonne soirée, et vive les jeux vidéo.